Eh bien salut à tout YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact pour continuer la quête monde rituel de purification du cerisier sacré. Du coup c'est la troisième partie, la troisième vidéo. La dernière fois nous avons fait la partie au sanctuaire avec un peu les fantômes d'une dame qui ressemble beaucoup à Kazari. Moi maintenant je sais pourquoi, mais vous verrez ça dans les prochaines vidéo, normalement, je crois que c'est pas là, je crois que c'est plus tard. Et du coup, on avait réussi à trouver tous les fantômes, on les avait mis devant les grands kitsune, et on avait réussi à résoudre l'énigme en bas là-bas, comme vous voyez là. Là, l'Ijimash est en train d'être résolu les énigmes. Du coup, là, on va partir dans, je sais plus, c'est la forêt, je sais plus son nom. Là, j'ai pas le nom, avec Kuroi, un peu un dieu, j'abuse un peu, mais un peu une divinité, j'abuse un peu, mais voilà, vous avez compris. Du coup voilà, on va un peu, vous allez voir, on va un peu plus en apprendre sur les petites bêtes là qui font la musique dans la map, et qu'après on sait plus où est-ce qu'elles passent. Bah moi j'arrivais plus à savoir, je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus du tout, mais vous allez, on va un peu plus savoir ce que c'est. Et puis voilà, la vidéo elle est assez sympa, on en apprend encore un peu plus sur l'histoire. De toute façon on va faire qu'on apprenne un peu sur les mythes un peu de ce qui se passe sur l'île de Narukami, si je me trompe pas, dans cette grande zone là. Du coup on va continuer ça. J'espère que la vidéo vous plaira. Cette intro est trop longue et je vous souhaite un bon visionnage. Alors est-ce qu'on peut parler là? Ah ok, nickel. Alors, les anneaux Kizune Céleste qui est censé protéger les amulettes est vide. Peut-être qu'il y est caché par cette vieille amie de la fille du visage. Allons demander. Fille au visage? Je viens de trouver son surnom, un surnom pour elle. N'est-ce pas une bonne chose à retenir? Bah non! Elle s'appelle Kazaru, c'est tout? Je crois que c'est. Cherchons des indices d'abord. Ok. Trouver d'où vient la voix étrange. Ok. Oh! Vas-y. Vous m'entendez? Vous êtes la bonne détection avant... À quoi? C'est elle la voix étrange? Mais... En tout cas, à chaque fois, il est en... Ok. Même qu'on n'arrive jamais à finir de le suivre. Je crois qu'il est dans... Il se balade dans... Il est partout, un peu partout dans les cartes. Ok, ça sert pour le secret. Ok, du coup la petite voix elle est partie là ou pas? Oh mais qu'est-ce qu'ils font là? Une minute cette odeur. Quoi? Les hommes vont sortir. Ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe encore? Yoroi. Ok, eh bien, je... Il parle, je suis Yoroi. Tu ou sois tu comme tu le souhaites. Waouh, la statue de pierre parle. Et effrayant, effrayé à mort par le mot oui. Hein? Je ne suis pas la statue de pierre, je viens juste d'être temporairement marqué et transformé en ça. Je suis le célèbre Tanuki Iloroi, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ne connaissent même plus mon nom de Yoroi. Le parchemin du renard du jardin royal, la taillère Yoroi, le protecteur caché Yaya. Hayashi, la bataille du renard sur le mont Yugu, jamais entendu parler de ces histoires. De ces histoires, excusez-moi. Combien d'années j'ai été trompé par ce bâtard? Oh, putain. Ok. Ouais. Recouvert de dette. Voyons voir. Visage, votre personne. Eh bien, je dois. La part est partie. Il faut se rappeler avec ferveur. Ne fais pas de blagues comme ça avec des inconnus. Ok, oui c'est bon, je ferai mieux de m'en assurer. Je ne vous dois vraiment rien. Pourquoi il en a des dettes? Parlez, pourquoi vous êtes venu voir mon fils qui est le seigneur, hein? Pour le si... Ouais, voilà, l'âge du grand aigle, qu'est-ce que c'est? Encore une sorte de trésor, c'est... Une histoire de vie. Est-il vraiment le vieil ami de mademoiselle la princesse masquée a dit qu'il était? On cherche un objet dans la statue du renard. Eh bien, quel est l'intérêt de chercher autre chose? Waouh. C'est le peigne qui m'a scellé. Le peigne? 1000 ans? Je ne sais pas combien de temps cela va prendre. Forêt de Shinju, on ne peut pas voir le soleil et la lune toute la journée ici, donc on ne peut pas compter sur le temps. Ouais, ok. À cette époque, oui, ma génération a fait tout un foin partout pour faire sortir ce renard puant. Et rien n'en est sorti. Lorsque j'ai voulu démolir cette statue de renard pour évacuer ma couleur, j'ai trouvé le peigne à l'intérieur et j'ai eu une idée géniale. Le peigne était caché dans la statue du renard avec le symbole d'Akushin dessus et la pensée de la fourrure blanche. J'ai immédiatement senti que le peigne devait être important. Si nous devions attirer ce renard puant, il serait bon de cacher le peigne. Attirer les gens avec un trésor. Venu humain des trois Yugu, il a vaincu mon clan
et les transformant tous en pierre. Et c'est pourquoi Yoroi a peur des gens. Les choses comme les gens sont éphémères et ne changent pas. Je me demande pourquoi ce renard puant est si impartial à leur égard. Le type de saut était particulièrement mauvais, disant des choses comme j'ai vu une bonne pause pendant le saut. Pendant saut, je peux en faire une vue, je suis tellement en colère, en effet, c'est une bonne vue. Quoi, toi, Junior, pourquoi es-tu aussi? Hé, Black Sou, ne l'énerve pas ou on n'aura jamais l'amulette. Ça veut dire que tu es grand et audacieux. Et oui, juste, ouais, ça serait une grande addition à ces bois sombres, ok? Développer ce point. La statue des sept a honte d'elle-même. Oh, mince alors, être sot n'est pas si mal après tout. Et les gens ne veulent pas faire de mal, bah oui. Alors, que vous sembliez avoir du sens, cela me semble pas être le cas. On peut avoir le pan, s'il vous plaît? Ce n'est pas impossible, mais vous devriez jouer avec les enfants. Quel enfant? Je ne suis pas très doué avec... oui, je joue souvent avec Paimon. Ok, vous trouvez ces trois petits tanuki dans la forêt pour jouer avec eux. Je le ferai bien, mais comme vous voyez, je ne peux pas y aller. Certains petits sont sortis il y a un moment parce que l'abruti n'était pas trop sérieux quand So était avec eux. Non, je dois vous dire que la puissance de Tanuki... Je sais maintenant, les enfants, ils sont devenus grands et sont adultes. Et Tanuki est si forte qu'il est tout à fait naturel qu'il puisse se libérer d'un simple saut humain. Un puissant système de mana. Bien qu'il ne soit pas comparable au mana de Yoroi, ils connaissent un peu de sorts et sont capables de cacher leur forme. Très bien, très bien. Allez-y. Est-ce que du coup, les enfants, du coup, genre la meuf avec qui on parle et tout, ça sera pas une des enfants? On verra. Go, allez voir. Il y a trois petits protocoles. Particulièrement, ça va avoir une dent contre ça, ok. Ça, c'est fait. Ok, et... On peut faire carrer là-dessus, on peut pas grimper. Examiner, Oh, bonjour. Ah, c'est eux, les enfants. Un petit tanuki, ici. En quoi, ok. Ah, d'accord. Paimon, il en a un autre ici. Ok, mais toi, faut le suivre. Il adore jouer à cache-cache, on dirait. Quel est là? Voilà. Ok. Il est là. Et là, ça peut être là que je sais plus où ils sont. À partir de là, on sait plus où ils sont, les tanuki font plus de bruit. Un peu chiant, ça. Je sais pas. Ok! Je l'ai retrouvé. Si c'est le même, pour l'instant. Ok. Oh, attendez, attendez. Que toi, t'es là-bas. On te voit. Ok. Ok. On allume ça. Ok, on en a deux. Ça, c'est cool. Du coup, maintenant, faut qu'on trouve le troisième, celui qui faisait la musique, je suppose. Bah, go le retrouver. Hein. Ah! Peut-être que du coup, le gars s'est mis en ça, faut que j'allume tous les feux. Ah, et voilà, j'ai découvert. D'accord, c'est pour ça qu'il faisait plus de bruit. Ok, du coup on peut aller parler à Yoroi. Voilà, bonjour Yoroi. Ah, du coup il y a les trois petits. Ok. D'accord. Bravo. Ils ont tous passé un bon moment. Oh, pas de problème. Je vais leur demander pour vous. Gyobu Koba, je vous demande pourquoi avez-vous l'odeur du tanuki si vous n'êtes pas humain? Oui, donnez-moi une explication claire. Pourquoi avez-vous mon parfum sur vous? Et vous demandez maintenant, la princesse masquée. C'est vrai, ça existe. Plutôt, la princesse masquée nous avait offert un bon repas copieux dont on disait qu'il avait été préparé à l'aide d'un sort qu'elle avait secrètement appris des tanuki. Quoi? Comment osez-vous voler nos sorts? Se pourrait-il que... C'est quoi ce bordel? Ce renard? Si tu es encore en vie, alors viens me dire bonjour tout à l'heure. C'est une prêtresse portant un masque qui dit... que vous êtes un vieil ami. Un masque? Je ne connais pas de masque, ni de prêtresse. Le renard en connaît un.
En parlant de ça, ce renard puant a été montré dans l'image d'une prêtresse. Dans, ouais, c'est ça. À quoi ressemble la prêtresse dont vous avez parlé? Un masque de renard blanc. Et les autres? Cheveux noirs courts. Peut-être mode de prêtresse. Écoutez, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. C'est tout. Bah après, peut-être qu'elle a pas vu. Habillée comme ça, quoi, avec le masque et tout. Ok. Je veux dire, j'ai passé un bon moment avec vous. Merci. À propos du peigne. Ah ouais, je sais, non. Bien sûr que je tiendrai ma parole, je vous blesse ce peigne. Ok, cool. Mais pourquoi avez-vous besoin de ce peigne? Pour te coiffer? Pour le renard, bouffon. Allez, on y va. Putain, allez. Je crois que c'était fini, mais non. Je vois quelque part à son assaut. Oh, mais on s'en fout! Oublie ça, je pensais de la faire de la bannière plus fort près de la forêt et un peu levé de bouclier pour ma génération. Un peu levé, ok. Quand je me battais avec Kitsune Puant, ce Kitsune Puant, je l'avais vu sur le bord de la mer orientale. C'était un arbre ressemblant à un cerisier tonnerre avec un porte-taurinon. Ouais, un truc comme ça. J'avais l'habitude de verrouiller cet endroit avec un sort parce que je regardais un film de fantômes. Il y a des films chez eux, à cette époque-là, ici, où ce type combattait un démon. J'avais peur qu'un autre démon puisse sortir de là et nuire de mes bois. Voyons voir. Un saut sous la falaise à l'est. Vous dites Kishibushi? Emmenez là-bas et retire le saut. Merci beaucoup! Allez, on y va. Allez, c'est bon, on a fini. Parle trop! Voilà, c'est bon! Ça fait 10 ans, ça parle. Allez. Ok. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais y a rien. Il utilise une sorte de sort. Ah, pour camoufler? Genre, en fait, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est si maléfique. Ok. Du coup, on va pouvoir faire le truc. Ouais, c'est bon. Toi, on s'en fout un peu. Tu nous as guidés. Merci, merci, c'est gentil. Mais maintenant, faut faire le défi. Alors. Ça. Je suis toujours mauvais, moi. Et la barrière, ok, purifié. Ça, apparemment, c'est un peigne. Ça a l'air plus. Ouais, ça fait peigne. C'est plus un éventail. Oh, le truc, il est en haut. Oh, oh non, faudra grimper et tout. Oh, la galère. Du coup, les deux stèles là, on va les mettre en deux. Voilà. Ok, elle, c'est bon. Se cacher vers la. Elle là-bas, faut qu'elle soit en trois branches. Tac et tac. Et elle en quatre. Encore. Et boum! Boum, on a dit. Tac. L'esprit maléfique. Waouh! On a fait spawn l'esprit maléfique. Voilà. Voilà. Ouais, bah j'ai pas tout capté là-dedans, hein. Genre, pourquoi est-ce que lui il a pas de trait qui va sur lui et lui non plus? Ah, si lui il en a un, et pourquoi lui il en a pas? Oh, bah j'en ai aucune idée. Oh, c'est bon! Oh, c'est bon! Moi aussi je vais faire du zut tout à l'heure. Hein. Gagner de la vie en même temps. Voilà! Du coup, ça c'est fait. Du coup, la petite madame, elle va être là, c'est ça, encore? Les barricades de rien, les façons de vaincre la créature est de mourir. Ok. Ouais. Ah, voilà, elle est là. Bonjour. J'allais dire qu'elle est habituée, la prêtresse masquée est si ennuyeuse. D'accord. Je suis vraiment désolé de vous avoir laissé tomber, je ferai mieux la prochaine fois. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais rien depuis tout à l'heure. Ok. Très spirituel. Ouais. Il s'est devenu chitou, cependant. D'accord. Quand ça veut, hein. Merci. Alors c'est ça, en général, un tanuki n'est pas un trop grand fauteur de troubles pour Pyro. Personne ne s'est renvoyé en retraite après tout, bien que les tanuki soient méchants et sont gentils et simples, comme les enfants. Lorsqu'Iyorua a osé voler l'amulette nécessaire au rituel de purification, eh bien c'était suffisant pour le punir. D'après ce que vous me dites, comme il s'agissait des trois Yugu, c'était probablement du fait de Kanagara et Onmyoji des temps anciens. Ok, et renard puant du coup. Vous faites vraiment, il paraît en fait que la fille de la lignée Akashi Akushin, connue sous le nom de Kitsune Seigu,
une fée renarde qui était vénérée comme un dieu dans certains endroits. Les Kitsune célestes et les Kitsune terrestres étaient toutes deux ses messagères. Après son départ, les Kitsune célestes et terrestres ont été transformés en statues de pierre pour préserver leur force, excusez-moi, et attendre son retour pour marcher au nouveau avec elle dans les prairies de la plaine Byaku. Byaku. Ouais. Du coup, ça, voici ce qui s'est passé. Ouais. Mais aussi gentil que loyal. C'est pourquoi les Kitsune voulaient l'aider à trouver le chemin, le bon chemin il y a longtemps. Et Kizumiya les a conçus pour qu'ils obéissent à l'archon électro. Et ils ont réussi à faire nommer Ruwa comme protecteur du bosquet pour guérir la paix et la sécurité de la forêt Shinju. Par conséquent, lorsque la terre s'est assombrie, le Kitsune Seigu a eu peur que Ruwa se lève pour affronter et tuer un ennemi puissant et absolument imbattable afin de protéger la forêt. Alors je l'ai défié. Ah ouais, à se battre maintenant. Avec le jeu de cache-cache. Waouh! D'accord, je bats en cache-coche. Je ne partage jamais contre toi une partie de cache-cache. Vraiment, il y a bien longtemps que je vais te casser la forêt. Ok. Yoroi, sûrement, sûrement, quoi qu'il se soit passé, c'était mon sort pour t'attirer. Ne vous laissez jamais tromper et ne vous montrez jamais. Ok. C'est sûr, un renard puant. Cette fois, je vais te battre et te faire tomber. A déclaré Yoroi et ainsi commença le combat qui n'en finira jamais. Donc Yoroi attend toujours le renard puant, le chercher, non? Ok. D'après l'histoire que vous a racontée Yoroi, ce sera quelque chose comme ça. Après avoir attendu un moment, Yoroi a senti que quelque chose n'allait pas et a commencé à faire une scène. Il a même volé l'amulette pour faire apparaître le Kitsune Seigu. Ok. Il ne savait pas que c'était un objet nécessaire au rituel de la purification du cerisier sacré, mais pensait que le rayon était important pour le Kitsune Seigu. Plus tard, Kanagara l'a scellé dans la pierre à cause de cette erreur. Ouais. Engloutie par les ténèbres, finalement, après que l'obscurité a été interrompue, elle est retournée à la terre de Narukami et Labu. Ouais. Moi, comme vous pouvez le voir, je suis Kazari. Bravo! Une prêtresse qui souhaite utiliser votre pouvoir pour purifier les démons. Ok, et ça on le savait. C'est tout? Je trouvais étrange auparavant que vous connaissiez beaucoup l'histoire du passé du grand public. Je ne sais pas, ok. Il connaît même les sorts de Tanuki et pour préparer le renard de Ravensha, ok. Pas tellement sur ce qui se passe maintenant. C'est presque comme si les gens venaient d'il y a des centaines d'années. Ouais. Ah, trop cet event, hein, cette mission, hein. Ok. Alors, comment a été le Tanuki du sol il y a des siècles? Ok. Et putain! J'espère qu'à la fin il y a un résumé parce que je comprends rien. Auparavant, dans ces grottes, j'ai promis le moment venu, je relèverai tout et n'importe quoi. Ok, auparavant, cette grotte, j'ai promis le moment venu, je révélerai tout et n'importe quoi. Ok. Ah bon, on va la croire, allez, c'est bon, allez. Ouais, ok. Je vais vous revoir pour le moment. Ouais, voilà, à la prochaine, allez. Adieu ce corps unique, mon cœur coule avec les nuages tout blancs. Je prierai pour vous au puits du village de Konda. Oh mais ça tu l'as déjà dit, on s'en fout. Allez. Allez, nous passons au prochain sanctuaire là. Ok, ça c'est fait. Plus que deux. Comme si c'était pas assez. Bon ben voilà YouTube, on va s'arrêter là pour cette troisième vidéo sur la quête monde rituel de purification du cerisier sacré. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle aurait été pas trop mal, la quête elle aurait été sympa, ça va. Bon, après à la fin ça a beaucoup parlé, ça a parlé à fond, mais en vrai, du coup, ça s'est passé. Ça va, c'était quand même beaucoup moins long qu'au tout début au village de Konda. Du coup, voilà. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à acheter le like ou l'abonnement, ça ferait très plaisir. Lien du Twitch en description parce que c'est là où est-ce que je fais mon let's play, où est-ce que je fais mes invocations UMIA, où est-ce que je fais tous mes lives sur Genshin quand j'avance quelque chose dans le jeu, je fais en live. Si du coup, n'hésitez pas, hein, ça serait cool de jouer ensemble, même des fois. Même si je fais rien de spécial, je suis là, je lance un live, s'il y a quelqu'un qui vient, c'est cool, on s'amuse ou quoi. Voilà, n'hésitez pas à venir checker. Si vous avez une suggestion, une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde. Plus, plus.